Salut, et résumé comme d'habitude. Donc, on a commencé par quoi? Donc en off, j'ai automatisé le Creosote Oil et le Cocoven, ouais, le Colcock. Donc tout simplement, j'ai juste mis un ME pattern au-dessus vers le Cocoven. Et j'ai aussi automatisé les bottles de lave, là, le bois, enfin les planches d'immersive. J'ai fait ça en off. J'ai enlevé aussi l'Arc Furnace, tous les trucs d'immersive aussi. Mais on a en off, j'ai fait les bâtiments et là on a encore construit dedans. Donc en tout, on a trois Affusing Factory ici de mécanisme, un enrichissement, un crushing, donc full boost, etc. J'ai deux multi-cerveaux, un pour les gears et un pour les plaques. J'ai encore un induction smelter car ici j'en ai déjà un. Mais je commence à avoir pas mal de craft. Donc ici il y en a déjà 6. Et ici il y en a encore beaucoup plus. Donc pour ça que j'en ai mis un deuxième. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un peu de XNet ici pour faire les infusing principalement. Donc, en gros, en haut, j'envoie l'extra et derrière, j'envoie les termes à transformer. Donc, tout se fait ici. Donc, d'ailleurs, c'est pas très optimisé dans le sens où j'aurais pu très bien le mettre en une seule ligne. Mais pour ce OP, c'est quand même mieux de le mettre en plusieurs lignes. Et j'ai dupliqué pour insérer les items plus vite. Même pour l'extraction, j'ai aussi dupliqué. Ça extrait de partout. Une extraction comme ça va, parce que ça va un peu vite, mais ça va nickel là actuellement. Donc ici il y a deux P2P hein, bien sûr, tunnel. Et c'est en sorte que il ne se touche pas les deux. Donc on a automatisé pas mal de choses ici. Je vais faire vite fait le tour, donc ça c'est principalement ici. Tous les trucs de mécanisme. Ensuite. Ici, on a encore pas mal de choses plutôt de thermal. Ici, les plaques. Ici, les gears. Ici, on a juste un truc de diamant. Ici, on a tous les trucs d'enriching de mécanisme. Plus l'opsy. Ou qui vont directement. Alors, en off, j'ai refait les inscribers d'Applied pour crafter les processeurs. Et là, pendant le stream, on a commencé à automatiser tout ce qu'il faut pour ici. Oui et non. Dans le sens où ça guère parce que ça veut tout crafter en même temps. Donc c'est un peu chiant. Donc là, j'ai déjà crafté 56 d'avant-z. Si vous comptez ma prod en parlant de prod, j'ai mis des rubis partout. Au moins comme ça, toutes les 2,5 secondes, je produis. Parce qu'avant, c'était toutes les 6 secondes, si je me rappelle bien. Donc c'était un peu long. Et aussi, donc, je pense que vous l'avez dû le voir ici. J'ai un peu fait de ME request. Je vais aussi déplacer ceux-là que ceux qui sont ici. Je vais les déplacer là. À voir si je les redéplace. Parce qu'en fait, quand ils s'activent, on le voit. Donc ça pourrait être pas mal d'avoir un mur de ça. Et je crois que c'est tout. J'ai pas fait d'autres choses, mais j'ai fait beaucoup d'autocraft. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai exactement comme autocraft. Donc j'ai tout ça. Donc j'ai tout ce qui est les minerais. J'ai tout ce qui est minerais. J'ai les processeurs. J'ai tout ce qui est gear. J'ai aussi augmenté au maximum les machines de thermal. Donc j'ai fait des résonantes. Plus des flux linkage amplifiers. J'en ai fait 3 par machine pour l'instant. Et ça va assez vite quand même. Si je prends. Hop, ça il m'en faudra. Voilà. Ça va un petit peu vite. Un autre test. Ça se passe ici. Voilà. Ça va relativement vite. Et bien sûr, ici, j'ai fait un tour d'Applied. Et ici, je refais à l'arrache l'orbe, car je devais refaire des charged. J'en avais plus du tout. Donc en même temps j'ai augmenté ma production, j'ai refait 5 rods. Donc j'ai aussi automatisé l'énergie.
Energized Steel à l'arrache. Donc juste pour parler des Chanel, j'ai refait des autocrafts quand j'en avais pas assez. Et ici, non. Donc j'utilise totalement déjà un dance pour là-haut. Et là, celui-ci, il est réservé pour les autocrafts en haut. Et ici, c'est pour les Ember Requests. Sinon, il y en a 27 de connectés. Et il y en a 27 ici. Donc là, pour la connexion. Donc ici, comment je vais faire pour alimenter tout ça directement? J'ai mis le ME pattern, enfin ME, le P2P directement connecté. Et pour l'énergie, j'ai mis un câble au centre avec du quartz fiber au milieu des deux côtés. Et ça, dans tout cas, je vais les déplacer pour la prochaine fois. Merci d'avoir regardé la petite vidéo et à la prochaine fois sur Twitch ou sur YouTube quand je stream sur les deux. Salut!